Bonsoir. On va démarrer du coup. Et puis les absents nous rejoindront ou pas, on verra bien. Donc ce soir, on va faire le deuxième cas clinique qui concerne le petit chat. Donc commencez déjà à préparer vos questions. Donc encore une fois, désolé quand il y a des petits blancs sur la vidéo. Effectivement, moi j'ai un décalage par rapport à vous. Hein, vous avez ma vidéo 20 secondes après que j'ai parlé, donc du coup il y a quelques décalages et souvent vous avez l'impression que j'attends pour rien, mais en fait j'attends que vous ayez la vidéo et que vous puissiez répondre. Tac, tac, tac. Allez, donc on est parti sur le cas du petit chat. Donc on a Billy, un chat européen mal castré de 11 mois, qui venait pour griffure, morsure sur la propriétaire. Je vais vous mettre tout de suite le motif de consultation. Si ça veut bien fonctionner. Voilà. Donc, il vient pour, voilà, pour du jeu, parce qu'il enfin, il joue en griffant sa propriétaire. Il a tendance à lui mordre les mollets lorsqu'elle est en mouvement. Et il mordit beaucoup lors de contraintes. Et la propriétaire rapporte que les morsures sont de plus en plus violentes. Donc voilà pour le motif. Donc qu'est-ce que vous allez poser? Je reviens un petit peu à tout ce qu'on avait vu la dernière fois. Pour ceux qui étaient déjà là, si vous vous souvenez un petit peu comment fonctionne une consultation de comportement, quelles sont les premières questions que vous poseriez? N'hésitez pas à m'en mettre plusieurs. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on a ce motif de consultation-là? Donc avec un chat effectivement qui a 11 mois, qui est relativement jeune, qui est un mâle castré et qui a priori a tendance à griffer, mordiller les mollets de sa propriétaire. Tout de suite, il faut que vous pensiez aux différentes hypothèses, à ce à quoi ça peut vous faire penser. Et quelles sont du coup les premières questions que vous allez poser à la propriétaire quand vous avez juste eu ce motif-là? N'oubliez pas qu'il faut que vous essayez de faire comme si vous étiez face à un propriétaire classique. Comment est-ce que vous poseriez vos questions? Quelles sont les premières questions que vous poseriez? Dans quel ordre, etc. Qu'est-ce que ça va vous amener comme réponse? Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Alors, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Dans quelles circonstances ça apparaît? Comment elle réagit? Décrire la séquence. Très bien. Super. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Quand on vous annonce un motif de consultation, effectivement, il faut aller approfondir le sujet. Donc là, on sait qu'il a tendance a priori à jouer en griffant, à mordiller lorsqu'il est en mouvement, lors de contraintes, que les morsures sont de plus en plus violentes. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi est-ce que les morsures sont de plus en plus violentes? Est-ce que c'est dû à la réaction de la propriétaire ou pas? Comment le chat se comporte en fait pendant ces agressions? Donc, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Dans quelles circonstances ça apparaît? Décrire la séquence, ça c'est hyper important quand vous avez de l'agressivité, des attaques comme ça. C'est vraiment important. Et après, Marion me dit, donc origine, âge d'adoption, mode de vie avant et depuis l'adoption. Ouais, dans un second temps, ok. Depuis quand observez-vous ce comportement? Très bien, ça c'est exactement les premières questions à poser. Et n'oubliez pas que là je vous ai déjà mis en bas les attentes du propriétaire, mais ça c'est hyper important. Une fois que vous avez fait détailler le motif de consultation, et dans le motif de consultation c'est pas uniquement il vient parce qu'il je viens parce que mon chat mordit et griffe, ok, là faut que vous enchaîniez les questions et vous demandiez dans quelles circonstances, etc. Donc tout ce que Céline a mis c'est très bien. Ce qui est complété également par Marie, c'est très bien, depuis quand on observe ça. Et ensuite, une fois que vous avez bien approfondi votre motif, n'oubliez pas de demander les attentes du propriétaire, c'est indispensable pour savoir où est-ce que vous allez aller dans la consultation, essayer de comprendre comment vous allez pouvoir aider le propriétaire. Alors, je vous cherche la diapo. Ok. Alors, pour l'agressivité, donc l'agressivité, elle évolue depuis l'adoption. Ça a toujours été comme ça. Il a toujours eu tendance à mordiller les mains lors de jeux. Ça a toujours été comme ça. Même si la propriétaire ne jouait pas avec les mains, elle savait très bien qu'il fallait pas faire comme ça. À chaque fois qu'elle jouait avec lui, dans l'excitation, il avait tendance à lui mordiller les mains. Il y a également des morsures sur les mollets quand la dame sort de la salle de bain. En fait, il est vraiment tapi au sol et il a tendance à bondir. Et là, il s'agrippe au mollet, il mordit, il griffe.
Il a tendance à griffer la propriétaire aussi quand il est sur son hamac. Il grogne pas au préalable. Simplement, elle est en train de passer et hop, il lui met un petit coup de patte. D'après la propriétaire, c'est plutôt du jeu plutôt qu'autre chose. Ça le stimule en fait de voir la propriétaire bouger. Par contre, quand il y a de la contrainte, par exemple coupe de griffes, brossage, etc., il a tendance à mordiller ou griffer les mains également. Là, elle a plus l'impression qu'il est agacé plutôt que du jeu. Au départ, elle a plutôt l'impression que ça l'excite, donc il aura tendance à vouloir jouer. Et puis si la propriétaire insiste, là, il s'énerve, il va avoir la queue qui bat et il va chercher à s'en aller en fait de la contrainte. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que la propriétaire réagit? Bah, le problème, c'est qu'elle a tendance à se fâcher. Elle le gronde et parfois, elle l'a attrapé par la peau du cou, notamment quand il était tout petit. Encore une fois, hein, jusqu'à 3 mois et demi, 4 mois, on peut encore les attraper par la peau du cou. Au-delà, ça devient véritablement une punition. Et a priori, ça a dépassé cet âge-là. Il y a eu quand même quelques punitions comme ça par la peau du cou, tout ça. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on a répondu à est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Bah, effectivement... notamment pour les agressions, morsures des mollets, il a tendance à se tapir au sol et à bondir. Lors de la contrainte, il a tendance à remuer la queue quand même pour manifester que ça commence à l'enquiquiner. Quand il est sur son hamac, pas trop. Elle remarque qu'il y a éventuellement les yeux un peu différents. Donc nous, on peut qualifier ça comme une mydriase. Et ça, il faut le faire décrire hein, aux gens. Bien demander si elle a l'impression que les yeux sont plus noirs. Et donc peut-être les pupilles sont dilatées tout simplement. Est très important de savoir comment la propriétaire réagit effectivement. Donc là, on sait qu'il y a potentiellement des punitions qui sont pas forcément très bien acceptées chez le chat. Attention surtout à ne pas réprimander la propriétaire. Ça, c'est hyper important quand vous faites une consultation de comportement. Ce qu'il faut, c'est avoir une bonne alliance avec le propriétaire. Donc pas commencer à lui dire « Oh là là, c'est très mal ce que vous faites ». Non, vous lui dites « Bah, je comprends, enfin, la propriétaire, elle se fait attaquer tout le temps. C'est aussi normal qu'elle en ait un peu ras-le-bol et qu'elle se fâche. Enfin, c'est humain, hein, on a tous fait des erreurs dans l'éducation de nos animaux, donc il faut faire très attention à ne pas non plus aller dire que les propriétaires font tout mal. Ensuite, je vois, donc effectivement, moi je vais revenir sur la question de Marion, donc origine, âge d'adoption, mode de vie avant et depuis l'adoption, ça c'est très bien. Une fois qu'on a posé le contexte, donc déjà les attentes, on va juste revenir sur les attentes effectivement comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc les attentes du propriétaire, de la propriétaire, c'est de comprendre pourquoi il agit comme ça et de savoir comment agir. Et ça, c'est hyper important parce que vous allez avoir des gens qui vont vous dire, notamment chez les étudiants vétérinaires, il y en a qui vont vous dire bah, « je veux juste chercher à comprendre ». Et du coup, si dans votre conclusion, vous ne donnez pas le diagnostic et vous expliquez pas ce qui se passe et que vous dites juste bah, « voilà, maintenant, il faut faire ça, ça, ça », et oui, mais finalement, vous n'avez pas répondu aux attentes du propriétaire. Parce que les attentes du propriétaire, c'était de comprendre pourquoi il se comportait comme ça. Donc là, la dame, elle cherche vraiment à comprendre et à savoir comment agir. Donc les deux. Donc pour répondre à la question de Marion, sur les origines, l'âge d'adoption, etc., je vais juste faire une petite parenthèse sur l'anamnèse et les comémos. Ça, c'est hyper important aussi de vérifier si c'est pas votre client, s'il y a des antécédents particuliers. Il n'y a pas d'antécédents médicaux particuliers, il a été castré aux alentours de 6 mois, il est à jour de ses vaccins, il n'y a pas de rien de particulier. Au niveau de l'adoption, donc c'est un chaton qui a été trouvé à l'âge de 3-4 mois à peu près dans la rue et qui, dès le départ, se laissait plutôt bien manipuler. Il n'y avait a priori pas de soucis spécifiques. Juste, on ne connaît pas ses antécédents. Avant ces 3-4 mois, il a juste été trouvé dans la rue, mais il ne semblait pas sauvage du tout. Au niveau du mode de vie, donc c'est un chat qui vit en appartement en centre-ville. Donc il vit avec la propriétaire et son conjoint, il n'y a pas d'autres animaux et il n'a pas d'accès à l'extérieur puisque c'est dangereux vu le centre-ville. C'est très compliqué pour eux de laisser sortir le chat. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre comme question? Donc n'hésitez pas là à mettre toutes vos questions maintenant qu'on a un petit peu toutes ces informations-là hein, sur le mode de vie, etc. Commencez à réfléchir, là on a quelques informations, est-ce que ça peut vous donner des pistes sur le chat, est-ce que ça vous apporte des infos, etc. Alors, Marie qui me disait, a-t-il accès à l'extérieur? Donc là c'est ce que je vous disais, pas du tout d'accès à l'extérieur. A-t-il des jouets à disposition? Ça c'est bien, griffoir, jeu mobile. Est-ce que cette agressivité est retrouvée chez d'autres personnes du foyer, des personnes extérieures? Et comment il réagit avec le conjoint? Ouais, très bien, ok. Alors avec le conjoint, il se comporte exactement de la même façon. L'agression n'est pas centrée que sur la propriétaire. Il a tendance à faire exactement la même chose sur le conjoint. Elle ou lui, c'est pareil et ils réagissent un peu de la même façon, donc il n'y a pas de différence.
Est-ce qu'il a des jouets à disposition, tout ça? Oui, il a tout ce qu'il faut. Il a des jouets, il a des griffoirs qui sont plutôt bien placés dans l'appartement. Rien de particulier. Alors attendez, je vais juste vous retrouver la diapo à nouveau. Et vous me demandez par rapport aux inconnus, aux personnes extérieures. A priori, il n'y a pas d'agressivité. Il a tendance à vouloir venir jouer effectivement et à s'exciter assez facilement. Mais en général, les propriétaires, enfin, soit ils le mettent à l'écart quand il y a du monde qui vient, soit il arrive quand même, ça se passe à peu près bien. Il est assez dynamique, mais si les gens n'interagissent pas avec lui, en fait, ça va. Dès qu'il y a une interaction, par contre, le chat va avoir tendance à faire exactement la même chose qu'avec les propriétaires, c'est-à-dire à mordiller, griffer. Tout ça. Tac, tac, tac. Ok. Qu'est-ce que vous m'aviez posé d'autre comme question? Donc, griffoir jeu mobile, oui. Est-ce que j'ai la diapo du jeu? Alors, le jeu, effectivement, les propriétaires rapportent qu'il a tendance à être. À beaucoup joué en fait. Il est assez actif, il aime beaucoup jouer et justement dans le jeu ça arrive fréquemment que ça déborde et qu'il s'excite en fait, qu'il parte un peu en freestyle et qu'ils n'arrivent plus trop à contrôler. Ok, tac tac tac. Combien en surface disponible, sol plus hauteur? Là ça va, il a tout ce qu'il faut, il a plus de 100 mètres carrés comme j'avais dit à ma conf. L'appartement est suffisamment spacieux pour qu'il ait de l'espace. Tout a été aménagé de telle sorte que il est suffisamment d'espace en hauteur, etc. Quel est le mode de distribution de l'aliment? Des jouets distributeurs. Très bien. Donc là, une fois qu'on a vu un petit peu tout ça. Il faut commencer à rentrer dans le vif du sujet et poser vraiment les questions assez précises. Donc sur les comportements centripètes et les comportements centrifuges. Au niveau des comportements centripètes, effectivement, on a la distribution de l'aliment. Dites-moi après qu'est-ce que vous poseriez d'autre comme question. Alors au niveau de l'alimentation, donc on a des croquettes pour chats stérilisées qui sont en libre service dans un pipolino. Le problème, c'est qu'il finit assez rapidement son pipolino et qu'il est assez voleur. Hein. La propriétaire rapporte que dès qu'elle laisse, enfin, il faut surtout pas qu'elle laisse traîner quelque chose parce que le chat, il s'en empare directement et elle a l'impression qu'il est en recherche permanente d'alimentation. Donc malheureusement, il n'a pas à volonté parce qu'il arrive à finir son pipolino, mais la propriétaire essaye de distribuer le plus possible dans la journée. Au niveau de la prise de boisson, il n'y a absolument pas d'anomalie. Hein. Il boit tout à fait normalement. Il y a deux gamelles qui sont à disposition. Donc pas de soucis particuliers. Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il rêve? Comportement somesthésique. Très bien. Donc ça effectivement c'est la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme comportement centrifuge qu'on n'a pas exploré, centripète pardon, qu'on n'a pas exploré en dehors de ça après. Au niveau du sommeil, donc n'hésitez pas à mettre vos questions. Au niveau du sommeil, donc on a plusieurs lieux de couchage. Il a tendance à dormir pas mal sur le hamac qui est situé sur une fenêtre, sur le canapé et dans le bac à linge. La nuit, il est isolé. Il n'est pas mis dans la chambre parce que les propriétaires ne voulaient simplement pas. Il vocalise pas et il semble plutôt bien dormir. La journée, par contre, la propriétaire le trouve très en éveil. Elle trouve qu'il se pose peu. Il a quelques phases quand même où il va s'endormir. Mais vraiment, il a surtout tendance à beaucoup jouer et à beaucoup demander de jeu. Le temps de sommeil est à peu près de 10 heures par jour. Ce que la propriétaire arrive à estimer, mais c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et la propriétaire remarque qu'il rêve dans la journée, oui, de temps en temps. Alors, les comportements somesthésiques. Donc, la propriétaire rapporte qu'il se toilette normalement, qu'il n'y a pas de léchage excessif, ni de prurite, ni de tout ça, qu'il ne tourne pas autour de sa queue. Par contre, il y a un rolling skin syndrome qui est assez fréquent, notamment quand il se fait gronder, ou justement lors de la contention, là, juste avant les agressions par irritation, il a tendance à faire un petit rolling skin syndrome aussi. Donc, la toilette, j'ai répondu en même temps. La litière, effectivement, comportement éliminatoire. Donc là, la propreté, elle était acquise dès le départ. La propriétaire ne note pas de malpropreté. Il dispose de deux litières qui sont dédiées à chaque besoin, c'est-à-dire que, enfin, ça n'a pas été proposé par la propriétaire, hein, c'est juste qu'elle a mis deux litières et en fait le chat va dans l'une pour faire ses selles et dans l'autre pour faire ses urines. Elles sont plutôt situées dans un coin tranquille, elles sont nettoyées régulièrement, les selles sont bien moulées. Par contre, le chat ne prend pas le temps de recouvrir. Donc la propriétaire se demandait si c'était normal ou pas. Donc ça, vous me le direz, n'hésitez pas à vous le noter sur une petite feuille.
pour répondre à cette question-là. Est-ce que c'est normal ou pas qu'il ne recouvre pas ses besoins? Ensuite, organisation du territoire. Donc oui, on y a répondu en partie. En tout cas, tout est bien organisé, tout est à distance les uns des autres. La litière est dans un endroit calme, il a plusieurs endroits en hauteur pour dormir. L'alimentation est bien séparée de la litière et des autres espaces. Donc l'organisation du territoire est tout à fait correcte, tout à fait normale. Ok, donc on a fait le tour des comportements centripètes, il me semble. Ok. On passe au comportement centrifuge. Qu'est-ce que vous poseriez comme question du coup maintenant, sachant qu'on a commencé déjà à faire un tour au niveau des comportements centrifuges. Quelles sont les questions que vous allez poser par rapport au chat, au comportement du chat et vis-à-vis de son environnement, de tout ce qui l'entoure, enfin vis-à-vis de son environnement, de ce qui l'entoure en tout cas. Donc plus les comportements qui sont auto-centrés, donc plus tout ce qui est alimentation, etc. Mais les comportements d'ouverture vis-à-vis de l'extérieur, quelles sont les questions que vous poseriez par rapport aux hypothèses que vous êtes déjà en train de vous faire sur ce chat? Qu'est-ce qui vous intéresse de savoir, et notamment il y a des questions assez précises pour essayer d'aller déterminer justement un diagnostic précis. Donc n'hésitez pas à me dire, et puis moi je vais vous donner pendant ce temps-là les infos sur l'exploration de la salle. Donc c'est un petit chat qui est, pendant la consultation, qui est quasiment pas sorti en fait de sa cage. Il était très très inhibé et donc on a fait un examen clinique qui était normal. La seule chose c'est qu'il était très inhibé en fait en consultation. Voilà. Donc ça c'est un point important aussi. Très très inhibé dans un milieu qu'il ne connaît pas. Alors, ok, allez, commencez à me poser les questions sur les comportements centrifuges, donc centrés sur le milieu extérieur. Alors déjà, j'ai comment est-ce qu'il se comporte avec les congénères? Bah malheureusement, on ne sait pas. Parce qu'il n'a pas de contact avec les congénères, de manière générale. Avec les autres animaux non plus, il n'a pas de contact, il ne sort pas. Donc depuis ces 3-4 mois, en fait, il n'a pas été en contact avec d'autres animaux. Donc on n'a pas trop d'informations par rapport à ça. Avec les êtres humains, donc là, il faut que tu précises, avec les propriétaires et avec les inconnus, ça c'est vraiment important de savoir comment, parce que là, tout ce qu'on sait sur le chat, c'est qu'il y a de l'agressivité par rapport aux propriétaires, ok, dans le jeu ou autre, mais on ne sait pas quelle est leur relation. Donc ça, c'est hyper important de savoir comment est-ce qu'ils se comportent avec les propriétaires en dehors de ces phases-là, comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que ça se passe avec les êtres humains. Donc là, j'ai Marie qui me dit, est-ce qu'il accepte les caresses, il vient de lui-même, est-ce qu'il les tolère longtemps ou il montre un agacement peu après la demande. Voilà, ça c'est très bien pour connaître un petit peu le lien d'attachement au propriétaire et la tolérance de l'animal. Ça c'est vraiment important. Donc avec les propriétaires, il demande énormément de jeux. Il a tendance à pas mal les suivre, à demander des caresses, du jeu. Le seul souci, c'est qu'effectivement, les caresses, il faut pas que ça dure trop, trop, trop longtemps, parce que ça a tendance à vite l'exciter, en fait, tout simplement. Et il vocalise pas mal pour avoir de l'attention. Avec les inconnus, il n'y a absolument aucun souci, il n'est pas trouillard ni quoi que ce soit. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Quand il y a du monde qui vient à la maison, tant qu'on ne s'intéresse pas trop à lui, il n'est pas embêtant. Par contre, si on interagit avec lui, là, il a tendance à monter vite en excitation et il peut mordiller dans ces moments-là. Comment il réagit au bruit, aux stimuli extérieurs, genre à travers la fenêtre? Donc ça, c'est très bien. En gros, c'est de savoir si l'animal peut être peureux vis-à-vis de son environnement. Je crois que j'ai même pas fait de diapo là-dessus. En fait, il n'y a absolument pas de phobie. A priori, il réagit pas plus que ça au bruit de l'environnement. Quand il regarde par la fenêtre, il est curieux, mais il n'y a pas de réaction particulière. Il est plutôt, plutôt OK. Pas trouillard. Ok, qu'est-ce qu'on va chercher d'autre à savoir? Qu'est-ce que vous suspectez là sur ce chat comme pathologie? Dites-moi un petit peu ce qui commence à vous venir à l'esprit. Qu'est-ce qui vous semble... Moi, il y a plusieurs pathologies qu'on pourrait distinguer. Donc, n'hésitez pas à me dire là comment, qu'est-ce que vous mettriez en avant.
Alors, comment répondez-vous à ces demandes? Est-ce que vous jouez quand ils demandent, caressez quand ils demandent? Oui, les propriétaires ont tendance à répondre. Après, pas en permanence, hein, ils répondent quand ils ont le temps, en fait. Pas trop aux vocalises. Et par contre, dans le jeu, ça dépend. Tout dépend de l'état d'excitation de l'animal. C'est plutôt eux qui sont à l'initiative plutôt que l'inverse. Ouais, on a la HSHA qui entre en compte, ok. Quoi d'autre? Du fait qu'on ait de l'agressivité comme ça sur le propriétaire, à quoi vous pourriez penser en dehors du HSHA? À quoi ça peut vous faire penser? Et du coup, si vous pensez à telle ou telle pathologie ou HSHA, quels sont les diagnostics? Est-ce que vous connaissez, enfin, quels sont les critères diagnostiques, pardon? Est-ce que vous connaissez les critères diagnostiques du HSHA, aussi bien chez le chien que chez le chat? Et si oui, bah mettez-les moi, comme ça on va essayer de voir si on les a ou si on les a pas, ces critères. Et si vous pensez à d'autres pathologies, n'hésitez pas à me le mettre aussi. Comme ça, on va pouvoir en discuter à la fin. Et il va vous manquer justement deux items à bien explorer. Alors, on en a plus ou moins parlé par rapport à comment il pouvait réagir par rapport à l'environnement extérieur, mais ce qu'il faut bien regarder, c'est tout ce qui va être exploratoire et autocontrôle, comment est-ce qu'il se comporte de manière générale. Et au niveau des autocontrôles et de tout ce qui est exploration, les propriétaires rapportent qu'il est quand même très actif, qu'il est très souvent en éveil, qu'il a tendance aussi à faire tomber pas mal les objets des meubles, qui le trouve assez maladroit en fait, ce chaton. Que la morsure inhibée est non acquise, évidemment, puisqu'il fait mal quand il mord et c'est de plus en plus. Et que les comportements moteurs, donc c'est pas eux qui vous le disent, mais ça vous pouvez vous le noter, les comportements moteurs sont vraiment exacerbés. Et par contre, on a un animal qui est très inhibé dans les lieux inconnus. Il reste un item qu'on n'a pas exploré chez le chat et qui est hyper important. Qu'est-ce qui fait le chat et qu'est-ce qu'il faut regarder? Vous m'avez parlé de la toilette, vous m'avez parlé de s'il disposait d'un territoire adapté, mais qu'est-ce qui peut être signe de bien-être ou de mal-être chez un animal? Qu'est-ce qui peut faire le chat? À quoi on doit faire attention justement chez l'animal pour voir s'il n'y a pas un mal-être ou un comportement exacerbé ou inhibé. Ouais, le marquage, très bien. Ok. Il n'y a pas d'autre pathologie qui vous. Ouais, très bien. Il n'y a pas d'autre pathologie qui vous vient à l'idée autre que le HSHA sur ce chat? Ça veut dire qu'ils sont trop faciles, mes cas cliniques. Mais tant mieux, j'ai fait exprès de vous prendre des cas assez classiques en fait, hein, pour que vous n'ayez pas trop de. Pas pour que vous ayez les choses un peu classiques que vous allez pouvoir retrouver dans votre pratique quotidienne. Ouais, donc le marquage facial, urinaire et puis les griffades, très important. Donc le marquage facial, il est assez important chez ce chat, il est assez exacerbé. Les propriétaires rapportent qu'ils se frottent très très souvent à eux en fait, sur les jambes. Les griffades par contre sont plutôt organisées, il fait uniquement sur l'arbre à chat et on n'a pas de marquage urinaire. Donc là, on a déjà pas mal d'informations. Est-ce que vous pourriez me faire un bilan des symptômes? Dites-moi un petit peu tout ce qu'on a vu chez ce chat. Pour qu'on puisse faire ensuite un diagnostic différentiel et ensuite poser le diagnostic, aussi bien le diagnostic d'état que le diagnostic nosographique que le diagnostic de ressources. Alors, le diagnostic de ressources est un peu plus compliqué à poser ici parce que vous n'avez pas les gens en face de vous, mais quand même, on peut le voir un petit peu à travers les réponses et le comportement. Donc là, n'hésitez pas à me mettre tout ce que vous avez comme information, donc le bilan des symptômes. Faites-moi déjà le bilan des symptômes. Ensuite, on se fait le diagnostic différentiel, les différents diagnostics, et ensuite on voit ensemble pour la thérapie. Donc, dites-moi un peu tous les symptômes que vous avez vus, quels sont les plus importants, à quoi est-ce qu'ils vous font penser. Voilà. Vous êtes concentré, vous réfléchissez. C'est presque fini, courage. Allez. Alors, chat qui dort peu, donc effectivement, donc on peut parler d'hyposomnie. Alors, est-ce que c'est une vraie hyposomnie?
Pas forcément. Normalement, l'hyposomnie, nous, on considère que c'est en dessous de 8 heures par jour, nuit comprise. En tout cas, effectivement, on a un chat qui est très actif. Qui est très actif. Tu pourrais parler plutôt de, effectivement, des contrôles moteurs qui sont pas très bons, d'une hypermotricité, si tu veux, d'un déficit de contrôle moteur. Joue plus, effectivement, donc très actif. Pareil, déficit de contrôle moteur plutôt, si on essaie de le mettre joliment en termes scientifiques vétérinaires. Comportement de chasse, donc ouais, plutôt des agressions de prédation, ok. Pas de phobie, ok. Alors on met plutôt des symptômes en positif plutôt que des symptômes négatifs, donc on le met pas du coup s'il n'y a pas de phobie. Morsure non contrôlée, tout à fait. Morsure non inhibée, très bien. Agression par irritation, super, ok. Hypervigilance. Alors, est-ce que c'est vraiment de l'hypervigilance? Je sais pas. Pour moi, c'est pas forcément un chat qui va réagir à tout, surtout qu'il y a vraiment des phases de sommeil quand même dans la journée avec des phases de rêve. C'est juste que c'est un chat qui est très actif, mais il n'est pas forcément hyper attentif à tout ce qui se passe. Mais enfin, il va être effectivement stimulé dès qu'il y a quelque chose, mais il n'est pas en train de surveiller tout le temps non plus. Beaucoup d'activité en tout cas. Ouais, peu d'autocontrôle effectivement. Donc des agressions par irritation, des agressions par prédation, ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Réfléchissez dans les comportements centripètes. Il y a des choses que vous m'avez pas dites et qu'on avait. Fais tout rapidement. Oui. Alimentation litière, c'est-à-dire, que veux-tu me dire par ça? Qu'est-ce que tu pourrais dire plutôt que fais tout rapidement alimentation litière? Qu'est-ce que tu mettrais comme symptôme? Ok, il recouvre pas ses besoins. Est-ce que ça c'est anormal ou pas? Est-ce que c'est vraiment anormal ça? Réfléchissez à cette question. Est-ce que c'est vraiment anormal un animal qui recouvre pas ses besoins? Et par contre, ouais, il a besoin de manger très vite. Bah, je me dirais même que ce chat, il a une absence de satiété alimentaire. Parce que pour le coup, il vole beaucoup et la propriétaire, elle dit qu'il est vraiment en recherche permanente d'alimentation. D'ailleurs, là-dessus, on n'en a pas parlé, mais il faut vraiment poser la question au propriétaire si bah, il n'a pas déjà éventré un sac de croquettes. Et s'il laissait le sac de croquettes, qu'est-ce qu'il pense qu'il ferait? Et quand ils vous disent bah, pour moi, il se l'enfile, vous pouvez vraiment vous dire qu'on a un problème de satiété alimentaire. Alors, au niveau du bilan des symptômes, donc on a effectivement des agressions de prédation, des agressions par irritation lors de contention, morsures et griffures inhibées qui sont non acquises, une hypermotricité, une hypervigilance, un défaut de satiété alimentaire et la chose que vous ne m'avez pas dite, voilà le Rolling Skin Syndrome que j'ai eu à la fin, effectivement. Ouais, on a le RSS qui est présent et qui est un signe d'anxiété. Au niveau du diagnostic différentiel, vous m'avez parlé que du HSHA. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, au moins une pathologie? Qui devrait vous faire tilt là-dessus. Parce que on n'y est pas tout à fait à cette pathologie, mais c'est vraiment la question qu'on peut se poser quand même par rapport à ce chat. Oui, la schizopathie, très bien. Très bien. Et après, il y a autre chose, mais ça, vous ne connaissez pas et on va en discuter tout de suite. Donc, effectivement, il y a le HSHA. La schizopathie interspécifique, très bien, et la schizie. Alors la schizie, c'est comme la dissocialisation primaire chez le chien. En fait, c'est des chats qui n'ont absolument pas été socialisés, donc qui ont été un peu sans autres chats, sans êtres humains dans leur première période de vie. Et en fait, ils savent absolument pas communiquer. Ils sont hyper agressifs avec les gens, hyper agressifs avec les congénères. Et la communication est anarchique, quoi. C'est vraiment vraiment compliqué. Donc là, on n'est pas à ça, hein, parce qu'on arrive à avoir une bonne communication quand même. Mais voilà. Donc ça, il faut y penser, effectivement, la schizopathie interspécifique. On a quand même des punitions, etc. Donc peut-être qu'à la base, il est HSHA, ça pose pas de soucis, mais il faut faire attention à ce que ça dérive pas complètement dans une schizopathie et que vous ayez un animal qui devienne agressif en permanence aussi avec les autres. Donc après, au niveau des diagnostics, dites-moi quels sont les diagnostics d'état, nosographiques et puis diagnostics de ressources. Donc diagnostic d'état, je vous rappelle que dans les états, vous avez l'état d'anxiété. Dans les états anxieux, vous avez l'état d'anxiété paroxystique, intermittent ou permanent. Le paroxystique, ça se manifeste sous forme de crise face à la phobie, enfin face au stimulus phobogène.
Le chat se fait beaucoup de manifestations organo-végétatives et c'est vraiment sous forme de crise. L'anxiété intermittente, là, le chat va présenter des manifestations anxieuses, mais de manière intermittente par période plutôt. Et l'anxiété permanente, le chat va présenter plutôt une anxiété en permanence avec souvent des activités substitutives. Vous avez l'état dépressif, l'état de déficit des autocontrôles, état instrumentalisé et état déréalisé. Vous avez tous ces états-là. Oui, je vais vous rappeler les critères du HSHA quand on va faire le diagnostic, justement. Donc ça, c'est important, sachant que quand on pose un diagnostic d'état, il y a possibilité, normalement, il faut en choisir qu'un seul. Vous ne pouvez pas avoir un chat et dépressif et déréalisé. Par contre, vous pouvez avoir un état de déficit des autocontrôles et un état anxieux ou un état dépressif ou un état autre. L'état de déficit des autocontrôles peut s'associer à un autre état. Donc déjà, dites-moi le diagnostic d'état que vous posez. Ensuite, on va parler du diagnostic nosographique, effectivement, et puis le diagnostic de ressources, savoir ce que vous en pensez. Et ensuite, on parle de la prise en charge. Donc sachant que pour poser un diagnostic de HSHA, il faut trois critères. Le premier critère, c'est un retard d'acquisition de la morsure inhibée, morsure griffure inhibée, au-delà de l'âge de 2 mois. Une hyperréactivité à tous les stimuli de l'environnement. Et puis, une difficulté à arrêter les séquences. Et ça, on a oublié d'en parler justement, et je ne vous l'ai pas mis dans la diapo, mais j'ai complètement oublié de vous le dire. Donc, une difficulté à arrêter les séquences avec un animal qui a tendance à tourner en boucle, en fait. Et ça, justement, il faut aller le chercher dans le jeu. Quand vous demandez à votre propriétaire, ben, là, vous m'en avez pas parlé, mais comment est-ce que le propriétaire joue avec l'animal et surtout, s'il arrête le jeu, comment est-ce que l'animal se comporte? Et en fait, là, pour ce chat, le chat, il a tendance à insister et à pas s'arrêter, quoi. Il s'arrête pas dans le jeu, il veut pas, il accepte pas l'arrêt, quoi. Il veut continuer à jouer tout le temps, tout le temps. Ok, du coup, vos réponses. Diagnostic d'état, diagnostic nosographique, diagnostic de ressources. Dites-moi un petit peu tout ce que vous pensez. Allez, dites-moi, il n'y a pas que Céline, Marie, Marion, Alizée. Diagnostic d'état, déficit des autocontrôles, oui. Est-ce qu'il est tout seul, ce diagnostic d'état? Est-ce que tu penses qu'il a juste un déficit des autocontrôles ou il y a autre chose? Mais en effet, il y a bien un état de déficit des autocontrôles, ça, pas de souci. Anxiété intermittente, oui, tout à fait. Et après, en diagnostic nosographique, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est sa pathologie à ce petit chat? Vous n'avez pas de réponse. Ouais, HSHA stade 2. Oui, c'est ça, clairement. Donc c'est bien un HSHA, on a bien les trois critères avec un retard d'acquisition de la morsure inhibée, une hyperréactivité à tous les stimuli et un déficit pour contrôler les séquences et pour arrêter les séquences. Entre stade 1 et stade 2, en fait, la différence du stade 2, c'est que quand on est en stade 2, on a une absence de satiété alimentaire et une hyposomnie inférieure à 8 heures. L'un ou l'autre, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux. Diagnostic de ressources, je dirais bon, environnement enrichi, de gamelles d'eau, de litière, un hamac, pivolino, propriétaires qui veulent comprendre ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, le diagnostic est bon. Diagnostic de ressources est bon. La propriétaire est motivée, donc je suis tout à fait d'accord. Ok, au niveau de la prise en charge, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le médicalisez, ce petit chat? Oui ou non? Si oui, avec quoi? Et qu'est-ce que vous mettez en place comme thérapie comportementale? Quels sont les conseils que vous donneriez?
pour essayer de contrôler un petit peu plus son activité motrice, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-moi un petit peu tout ce que vous mettriez en place. Il y a plein de possibilités, hein. Il n'y a pas forcément une réponse. Il n'y a pas forcément une réponse bonne. Il y en a plusieurs. Donc, n'hésitez pas. Dites-moi un petit peu ce que vous mettriez en place comme thérapie, médicamenteuse si vous en mettez une, et thérapie comportementale. Quels sont les conseils que vous allez donner au propriétaire? Alors, bannir les jeux avec les mains directement, ne plus sanctionner par la peau du cou, ok. Ne plus punir, détourner le jeu sur autre chose, des jouets, ok. Donc détourner le jeu sur autre chose, comment on appelle ça? Fluvoxamine ou fluoxétine? Ouais, alors la fluvoxamine, on s'en sert pas chez le chat, mais la fluoxétine, oui. Ignorer les demandes pour continuer le jeu si le propriétaire décide de l'arrêter. Ok. Ok, fluo, ok. Fluoxétine, est-ce que vous connaissez la dose? À quelle dose vous mettriez? Je suis pas sûre que vous connaissiez. Je pense que. Ah, si, je l'ai mis dans ma conf des médicaments, vous me direz, mais faut que tout le monde l'ait vu. Mais oui, moi je mettrais la fluoxétine très clairement. Je le mettrais à 1 mg kilo, jour, en une prise, plutôt le matin. La fluoxétine chez le chat, normalement, c'est entre 0,5 et 1, et on peut monter jusqu'à 2 sur les animaux qui sont très, 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 très toniques. Donc là, moi, je me baserais plutôt sur, en tout cas, plus près de 1 que de 0,5. Mais je taperais pas au-delà de 1 pour le moment, et je mettrais plutôt à proche de 1, en tout cas, milligramme kilo. Plusieurs possibilités. Chez le chat, le souci, c'est que les gélules, c'est forcément du 20 mg, gélules ou comprimées. Donc plusieurs possibilités. Soit vous faites reconditionner les gélules, pour avoir la quantité, la dose exacte par gélule. Soit vous pouvez prendre des comprimés, les diluer et faire avaler la dose. Donc pour ça, il faut juste faire un produit en croix et calculer la dilution par rapport à la dilution. Il faut faire attention quand même parce que le produit peut pas se conserver trop longtemps. Donc ça veut dire que normalement, vous pouvez le garder 2 jours au frais, mais pas plus. Et c'est surtout que le problème, c'est que vous avez des particules qui partent au fond et qu'il faudrait bien réhomogénéiser à chaque fois. Et du coup, on n'est pas absolument sûr de la dose prise quand on dilue. Sinon, l'autre possibilité, c'est qu'il existe une forme liquide. Le gros souci, c'est que la forme liquide est à la menthe et que du coup, le chat n'accepte pas forcément de le prendre facilement. Après, il y a une pharmacie comment ça s'appelle? Une pharmacie à Marseille qui fait la fluoxétine liquide sans le goût de menthe. Mais bon, on ne peut pas toujours s'en procurer, c'est pas forcément facile. Je ne sais pas si elle le faisait, fait encore, elle le faisait pendant un moment. Mais oui, effectivement, Céline, tu sais. Donc voilà, diffuseur de phéromones, oui, pourquoi pas. Après, pas plus que ça, il fait du marquage. Voilà, moi je pense que je me baserai surtout sur la fluoxétine. Et au niveau des conseils, qu'est-ce qu'il faut travailler sur un animal qui a un déficit des autocontrôles? Bah, faut travailler les autocontrôles, clairement. Comment est-ce que vous travaillez les autocontrôles dans le jeu? Idéalement, vous faites un peu comme le chien, c'est-à-dire que vous allez proposer le jeu à l'animal, donc. Plutôt ne jamais jouer avec les mains, tout à fait, comme a dit Marie. Prendre un jouet qui peut se tenir à distance des mains du propriétaire pour éviter les agressions derrière redirigées. Et donc, on commence à faire jouer l'animal. On attend qu'il s'excite un peu, mais pas trop. Il ne faut pas dépasser la limite, parce que si vous dépassez la limite du seuil où il peut revenir en arrière, c'est foutu. Donc, il faut le monter un petit peu en excitation, sans trop le monter en excitation. Puis, stop, on arrête. Donc, c'est-à-dire qu'on maintient le jeu. Mais on ne le bouge plus et on va attendre que l'animal se calme. Une fois qu'il est redescendu de son excitation, qu'il s'est calmé, là vous pouvez recommencer à jouer. On le récompense en fait en jouant avec lui. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de donner de friandises ou quoi que ce soit. La récompense, c'est de reprendre le jeu. Donc ça peut très bien se faire. Vous pouvez aussi jouer avec un plumeau ou ce genre de choses et puis le retirer dès que le chat s'excite de trop ou ce genre de choses. Mais c'est mieux d'arrêter en fait le jeu, le mouvement du jeu. D'attendre qu'il redescende de son excitation et ensuite de reprendre le jeu une fois qu'il est reparti dans le calme. Donc effectivement, pour cette dame-là, il faut bien lui préciser qu'il faut éviter les punitions
et utiliser ce qu'on appelle la disruption, ce que disait Marie tout à l'heure, enfin détourner le jeu, donc c'est de la disruption et la redirection. Donc quand il veut attaquer, par exemple, dans ces moments de prédation, là, quand elle sort de la salle de bain, la dame, ce qu'il faut, c'est qu'elle ait des petits jouets à disposition dans la salle de bain. Au moment où elle sort, si elle le voit en position, c'est non, et elle lui jette un jouet pour qu'il redirige sa frustration sur autre chose. Après, la fluoxétine va vraiment aider à se contrôler, et donc ça va éviter, ça va limiter ces problèmes-là. Pour tout ce qui est punition, il faut les éviter. Et effectivement, Alizée disait éviter de trop le contraindre. Il faut lui apprendre progressivement, en fait. C'est des chats qui supportent pas la contrainte trop longue, parce que tout simplement, ils ont autre chose à faire, quoi. Ils en ont marre d'être contenus et de rien faire. Donc il faut lui apprendre à couper les ongles, mais on va s'arrêter avant qu'il commence à s'énerver. On va lui couper deux ongles, puis on le laisse tranquille, puis on le reprendra plus tard. Et puis on va lui demander de rester de plus en plus longtemps, en fait. Mais pour ça, il faut lui apprendre. Et pourquoi pas l'occuper avec des friandises. Par exemple, vous me demandiez s'il se laissait caresser ou quoi. Sur ce petit chat, je ne me souviens pas, mais vous avez des propriétaires qui vous disent, et un des motifs de consultation, justement, c'est bah, il ne se laisse pas caresser, à chaque fois, il me mord. Donc si les gens veulent absolument obtenir des caresses avec enfin, avec son chat, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est de proposer aux propriétaires de créer un rituel, de mettre un plaid sur leurs genoux. Et quand on met le plaid, ça signifie au chat qu'on peut faire des caresses. Donc vous le mettez sur le plaid, le chat, vous le caressez un petit peu, mais pas trop, et vous lui mettez des friandises pendant ce temps-là. Comme ça, lui, il est occupé, c'est positif. On force pas trop, on fait ça pendant 20 secondes. On repose le plaid par terre, on laisse tranquille le chat, enfin, on enlève le plaid et voilà, c'est fini, je viens plus t'embêter. Et comme ça, c'est hyper précis, hyper clair pour le chat. Il comprend qu'à ce moment-là, c'est le moment de calme et de détente où on accepte les caresses. Et en dehors de ce moment-là, mon propriétaire va pas m'embêter, quoi. Donc ça, c'est important. Et vraiment, voilà, travailler la manipulation douce. Vous pouvez aussi travailler avec les chats qui ont des déficits d'autocontrôle et qui sont mal régulés, des petits exercices de assis, de donne la pa enfin de check. Ça marche super bien sur les chats. L'avantage, c'est que ça les permet vraiment de se concentrer. Donc le assis, vous pouvez faire comme chez le chat, soit vous capturez. Donc par exemple, vous présentez des friandises à votre chat, il y en a plein qui ont tendance à s'asseoir directement. Donc là, vous félicitez et vous donnez la friandise. Soit vous mettez au-dessus du museau comme chez le chien. Et pour le check, là, bah, en fait, il suffit juste de tenir la friandise dans son poing et le chat va venir poser sa patte, en fait. Souvent, ils viennent chercher un petit peu avec la patte et du coup, bah, dès qu'il pose la patte, hop, ou alors dès qu'il a tendance à tendre un petit peu, parce que souvent, ce qu'ils font, c'est que vous mettez le poing qui est fermé, le chat, ce qu'il va faire, c'est il tend la patte genre je veux, et donc vous faites du shaping et vous commencez à récompenser. Dès qu'il a tendance à tendre la patte vers la main, vous récompensez et puis vous allez attendre qu'il vienne poser. Et une fois qu'il vient poser, vous mettez l'ordre et vous récompensez. Donc ça, c'est vraiment bien. Il y a plein de chats qui adorent faire ça. Et le but, en fait, c'est, une fois que l'ordre est appris, de les faire patienter de plus en plus. C'est-à-dire que le check, vous pouvez le maintenir sur la main longtemps. Et le assis, vous pouvez lui demander de rester assis pendant 30 secondes sans qu'il bouge. Ça lui permet vraiment de se contrôler et d'avoir de bons autocontrôles. Donc tout ça, c'est des petits exercices que vous pouvez mettre en place avec le chat qui fonctionnent très très bien, avec ou sans clicker. Ça, c'est, il faut savoir s'en servir du clicker, donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, pensez à prendre tout ça en compte. Et... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait les neurotransmetteurs. Bien, 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 bien. Je vais revenir dessus, effectivement. Et vous pouvez commencer à me mettre toutes les questions que vous avez sur la conf si vous en avez. On va avoir fini sur le cas. Alors, déjà, je vais lire les premières questions. Est-ce qu'on a tendance à plutôt éviter l'adoption d'un autre animal dans ce cas? Bah là, il a 11 mois. Donc, comme on ne connaît pas du tout sa sociabilisation, si tu veux adopter un autre animal, moi je ferais d'abord famille d'accueil pour un autre chat. Je vois comment ça se passe. Et ensuite, en fonction, je vois. Si tu veux prendre un autre chat, prends pas un chaton tant que le tien n'est pas régulé, parce que je ne te dis pas ce qu'il va lui apprendre comme bêtise. Surtout un chaton qui a été mal sevré, alors là, ça va être une catastrophe. Si tu veux prendre un chat un peu plus âgé, qui est calme, pourquoi pas, ça peut être un bon repère pour le chat, mais il faut être sûr que les deux puissent s'entendre. Pour l'alimentation, qu'est-ce qu'on recommande? Oui, effectivement, j'en ai pas parlé. Comme il a un déficit de satiété, bon, déjà, la fluoxétine va agir. Mais tu peux... Alors, soit si la propriétaire veut garder ses croquettes-là, tu peux rajouter du psyllium ou des légumes verts, donc courgettes, haricots verts. Sinon, tu peux changer pour les Royal Canin Satiety Weight Management, qui sont hyper satiétogènes, que tu mets à volonté dans un pipolino ou dans des petites balles distributrices. Ou moi, j'aime bien utiliser le bocal en verre qui est assez haut, que tu fixes au mur et que tu remplis à moitié. Les chats sont obligés d'aller chercher avec la patte et ça marche plutôt bien. Bah, Céline, tu pourras nous en parler parce que Oana, elle a fini par bien se réguler à force. Il y en a plusieurs que j'ai traité comme ça et ça marche très très bien, ils finissent par se réguler. Et donc, Elodie, tu me dis, tu peux revenir sur le bilan des symptômes et dire les neurotransmetteurs. Oui, on va faire ça. Juste, voilà, n'hésitez pas à mettre toutes les questions que vous avez à me poser sur le cas. Toc, toc, toc. Alors, agression de prédation sur la propriétaire.
plutôt sérotoninergique. Pourquoi? Parce que c'est pas contrôlé. Il a tendance à faire mal. Morsure griffure inhibée non acquise, pareil. Plutôt sérotoninergique. Agression par irritation, c'est plutôt dopaminergique. Il y a plutôt un bon contrôle dans ces moments-là. Il prévient, etc. Donc ça va pas plus loin. Hypermotricité, sérotoninergique aussi. Ou dopaminergique, les deux. Défaut de satiété alimentaire, plutôt sérotoninergique, puisque là, c'est vraiment dans le cadre d'un déficit d'autocontrôle. Le Rollinskin syndrome, on est plutôt sur du sérotoninergique. Et l'hypervigilance, c'est plutôt noradrénergique. Voilà. Donc, en gros, on a un bilan qui est plutôt en faveur de la sérotonine, d'où la fluoxétine qui est mise en place. Par rapport au recouvrement des selles, du coup, est-ce qu'on considère que c'est anormal ou alors peu étonnant puisqu'il n'a pas de contact avec d'autres animaux et est seul dans sa litière? T'as pas besoin de... Alors oui, c'est vrai que les chats, c'est beaucoup du mimétisme, mais c'est quand même assez inné chez eux d'être propre. Moi, j'avais recueilli un chaton de... Il pesait 200 grammes quand je l'ai eu à la maison. Mais il avait un gros retard de croissance parce qu'il devait avoir à peu près 4 semaines. Et en fait, dès le départ, il a recouvert. Très vite, il a compris. Alors au début, il n'était pas propre, hein, mais je lui ai mis une petite litière et tout. Et en fait, il a trouvé que c'était super bien d'aller dans la litière avec les petits grains, sans faire de mimétisme. Et il a très vite recouvert ses selles. Donc je pense que c'est quand même assez inné. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas lui? Est-ce que c'est anormal? Non, je dirais pas que c'est anormal. C'est juste que lui, c'est sa particularité, il recouvre pas. Il faut faire attention entre ce qui est normal et anormal. Vous avez plein de chats qui recouvrent pas et c'est pas normal et c'est pas gênant. Donc voilà. Oui, bah tu m'étonnes que c'est Bis qui fait le ménage. Ok, déficit de sommeil. Bah il a pas d'hyposomnie non plus. Il a au moins 10 heures par jour et je pense qu'il a plus que ça le chat. Donc on n'a pas d'hyposomnie non plus, mais quand t'as des hyposomnies, c'est plutôt noradrénaline. Le fait qu'il soit en éveil, plus éveillé. Ah bah tu m'étonnes, oui, t'es obligé de réduire les restes. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vous laisse. Et dites-moi si vous voulez qu'on refasse... quelques cas cliniques la semaine prochaine, est-ce qu'on se reprévoit ça ou pas, tout simplement. On m'a donné quelques idées de choses dont il faudrait qu'on parle pendant les confs, donc j'essaierai de réunir ça dans les prochaines confs. Mais du coup, dites-moi voilà, si vous voulez refaire des cas cliniques, si vous avez d'autres questions sur le cas ou sur d'autres choses qu'on a vues pendant les conférences. Et puis voilà. Le suivi au bout de combien de temps? En général, tu fais un suivi au bout d'un mois, pardon. Une semaine, non? Un mois. Ouais, pour voir un peu comment ça évolue, le temps que le traitement soit mis en place, etc. Partante, oui, pour d'autres cas cliniques. Plus un pour les cas. Ok. Ça marche. Bon bah parfait. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis bah je vous dis à la semaine prochaine. Je verrai peut-être pour vous proposer un cas plutôt jeudi ou vendredi d'ici une semaine parce que je suis pas sûre d'avoir le temps avant. Allez, à bientôt. Bonne soirée.